Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une petite vidéo, je vais me mettre comme ça, ça va être plus simple, où il y a eu les Black Friday chez Ephemeria et du coup j'ai commandé quelques petits tampons de chez Holland Create. Comme toujours, Ephemeria, c'est toujours très intéressant au niveau solde, voilà. Sol, promo, etc. Donc là, j'ai pris beaucoup de choses. Alors, c'était à 80, j'ai fait 80, 70 et 60% à peu près. Je ne pense pas que j'ai été à plus que ça. Et j'ai pas les tarifs, mais j'ai pas édité ma facture. Mais après, voilà. J'ai eu en petit cadeau cette petite carte postale comme ceci. Donc, du coup, je vais la mettre de côté dans ma petite bannette pour le December Daily. Voilà. Et je vais vous faire voir ce que j'ai pris. J'ai pris, alors, dans le général, chez Holland Create, alors, on a eu trois défis. On a déjà eu Jeannette Quin, on a eu Tracy Evans. Et là, j'ai remarqué une petite chose, c'est que beaucoup de choses étaient soldées de la designeuse Bipasha. Et je me suis demandé si le prochain défi, ce ne serait pas un défi avec Bipasha. À savoir, mystère et boule de gomme, mais déjà la dernière fois avec Tracy Evans, il y en a eu pas mal. Là, je me dis Bipasha, pourquoi pas. Alors, c'est en plus, j'ai beaucoup de tampons de Bipasha, parce que d'ordre général, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci, c'est le 712, c'est le mur avec les petites fleurs. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup. Je n'ai pas rallumé ma lampe. Toutes les décos de Noël là. Hop, elle est coincée. Bon, on verra bien. Donc voilà. Le mur avec les fleurs, je le trouvais trop joli. J'ai pris également de Bipasha le 440. Donc un tampon fond. Voilà. Bipasha toujours, un autre tampon fond avec des lettres, voilà, comme ceci. Là, j'ai pris celui-ci de Jeannette Quin, alors il s'appelle Stay Chic, la petite bonne femme qui va au magasin de vêtements, voilà, je le trouvais trop choupinou. De Jeannette Quin, le capitaine, puisque j'avais l'hôtesse de l'air, mais j'avais pas le capitaine. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. J'ai pris le 581 de Bipasha, c'est la boîte de lait et le sac avec du blé. Ouais, je pense que c'est ça. Donc celui-ci. J'ai pris de Kathleen le Flower Kido. Alors là, c'est plus pour du mix média. Voilà. J'en avais déjà pris quelques-unes de visages comme ceci. Donc là, j'ai pris celle-ci. J'ai également pris de Bipasha la Musical Gear. Donc, c'est le 59. Donc, il y a une guitare, il y a des notes. Voilà. Pas de clé de fa. La clé de fa, je ne sais pas. Clé de fa. Pour mon homme, une clé de fa. Et non, pas de clé de fa. Si, j'en ai une là, une toute petite. Voilà. J'ai également pris le 450, donc toujours de Bipasha, c'est avec les pommes, les poires. Voilà. Trop chouette. Et après, j'ai pris des pochoirs, parce que avec les différents défis que j'avais fait
surtout de Tracy Evans, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de pochoirs d'Olon Create. Je crois que je dois tourner avec deux ou trois. Donc on retrouve souvent les mêmes. Donc je m'étais dit, c'était déjà ce que je m'étais dit, que sur les prochaines soldes, j'allais prendre plus de pochoirs. Donc j'ai pris celui-ci. Donc ça, c'est le 106. J'ai pris le 104. Alors ça, ils étaient à 3,95€, je crois. Ça, je m'en souviens. J'ai pris l'imitation rondin de bois. Donc ça, c'était 63. Voilà. Et le numéro 2, donc ça, c'est Olga Eltheim. Donc plusieurs motifs un petit peu des lettres et on dirait un circuit. Voilà, je m'étais dit qu'il était plutôt pas mal celui-là. Donc voilà ma petite commande de chez Ephemeria. Je recommanderai, je pense, certainement pendant les soldes pour continuer cette petite collection que j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, je mets ça ici, ça va être arrangé. Bah, arrangé, oui et non, parce que si je veux m'en servir, il faut que je les range. Je suis passée vite fait hier sur Le Mans. J'ai fait un aller-retour très très rapide sur Le Mans. Donc je suis passée chez Stokomani. J'ai trouvé ces petites... Alors, vous n'allez pas voir, mais c'est des couronnes avec des nœuds comme ceci pour mettre sur une carte de Noël. Je trouvais ça trop choupinou. Peut-être que je vais en mettre un, tiens, sur mon December Daily. Ouais, je vais en laisser un de sortie. Donc voilà. Et sur tout ce qui était Noël, déco de Noël, c'était un acheté, un offert. Donc du coup, je me suis pris ces petits embellissements comme ceci en bois. Donc je me suis dit, ça peut toujours servir si ça change de ceux de chez Action, c'est surtout ça. Et j'ai pris également celle-ci. Voilà, une étoile, la petite boule. Voilà, histoire d'eux. Et voilà ce que j'ai pris. Bon, pas que, j'ai des cadeaux de Noël aussi, mais voilà. Donc voilà pour mon petit haul éphémère. Je vous dis, profitez toujours d'aller regarder au moment des soldes, ça vaut vraiment le coup, ou du Black Friday sur Ephemeria. C'est vraiment une boutique qui vaut le coup, donc toujours des bonnes soldes, toujours très intéressantes. Quand je vois du 80%, c'est le top du top. Donc je vous embrasse, je vous dis à bientôt et scrapez bien. Allez, bye bye.